Barroso, en un moment, 15 minutes. Après, je vais continuer à dans mais ça a marqué. Il y a toujours un couple de vie, toujours à la guerre, toujours qu'il y a l'église, tu as omis la Bible, où il y a la parole, où il y a mais toujours pour appliquer à côté. Il y a une hypocrisie. Mais évitez ce qu'il y a, est-ce que, tant que ma maman a dit que je vais parler de la Bango, est-ce que ma papa, et tant que mon sali, ma sali, ma maman va se faire enseigner pour nous enseigner ma maman, ou bien pour participer à la Bango, place où il y a un point d'interrogation. Pour nous, on a ma maman, ba, oh, réunion ma maman, mais, na retour, et l'eau pesaille. Ça, c'est mon question. On a évité de me rappeler sur ce voyage. Je vais répondre. C'est vrai, ce qui au lobby, n'est au lobby, c'est vrai que na, je parle puisque na kambamba maman. Na réunion ma maman, surtout na réunion ma maman, on essaie un peu de parler de tout. Et ça va en dire parce que bataille a mis le bambambé. Et vous avez dit que 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 vous avez dit. On essaie de parler, en tout cas moi de mon côté j'essaie de parler. Maintenant, si je trouve parmi les sœurs qu'il y a des problèmes, j'essaie, il y a pour solo là, après prendre le temps dans ma boule de lit, entre sœurs où elles ont un problème, puis sommes parler, nous assister pour ça, puisque parfois on peut parler, mais blocage moi il y a quelque part des aspects spirituels. Il faut avoir aussi soutien spirituellement dans des gars de boule de lit. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je voulais dire ceci. Au moni et le conseil de ça, les alliés manquent d'enseignement. Voilà. Ma maman va dans la vie qui est en bas. Maman va se lier au groupe et ça va aller. Au 10 mois maintenant, va se prendre pour bailler une dame. Va se faire un tambour dans la bonne dame. Est-ce que va pour ça aller qui est en bas? Ma carte à Bible, voire même aussi ça. La carte église. C'est quand on parle de lui qui est en bas. Est-ce que c'est quand on parle de lui? La carte à Bible, il retourne et ça péché. Et donc, moi, c'est quoi? Il y a tout le monde qui est en bas. Mais au moment où maman joue dans l'église, elle a déjà na ça qui n'a rien mené. Elle a na babila, mba yuta ki bené, yuta ki chokiwa. Pour ça, les gars, à passer la zone, la pémi, n'y a qu'à la bonne, la terre. Tant qu'à quitter, ceci est à vous, boum. Maman, elle a qui n'a plus que j'allais à vous, t'es venu, ma maman va y aller. Donc, biloko, oyo, bango, va se faire la canamou ya moi. Ceux qui ont bandi koulo, baki, oh, ma maman, il faut que ça avoue, il faut que ça avoue. Au moment où ma maman va bandi, pasteur P a commis à la Tumisabi, a commis à la Tumamaba, 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 a donc, vie n'aïe et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce côté est vérité à qui n'aïe. C'est là où le problème. Mais il y a des églises où la vérité a des côtés. Où l'unité va dans la vie. Parce que comme il attend, on a un peu et comme il m'a dit. Donc, ça, c'est un favoritisme. Donc, ma maman, Oyo, Bazo, il y a une église, ça, il va dans la vie. En tout cas, Nazo qui a vraiment ma voix. Parce qu'il faut y avoir. Il faut y aller à l'église. La Bible dit dans la Bible que si les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, la pluie ne tombera pas sur elle. Les familles de la terre, on parle des familles. Donc quand vous êtes à l'église, papa, maman, nabana, vous êtes à l'église, vous êtes à l'église, c'est comme ça la pluie va tomber. La pluie, c'est la bénédiction.
bipambole kokita makamba mabenda makugomba ba maladie nda makuparnye abolongola mais tango oyo mama azali na kata ba distraction azali même pas na temps pour sensibiliser bana pour que l'église mon bal est tout na parlons pas hier l'église mon bal na café yebisa nga mama ndenge wana ta soki ba ndi kote ya yo ba ndi kote ya ye okwebi sa makambo et kokoma pasteur abumini na libala parce que un jour ce qui m'a dit à ma petite jeune c'est que vandi trouble ko manda et la pasteur elle va comment banga balba qui pasteur abumini na libala. Ce qui vraiment, il y a moi ce que vous à l'église et qui m'a dit à son ami qui t'a dans l'église sur comment vivre la vie de couple dans le foyer, tout ça. Pour vous, quand il va les filles. Parce que moi, je dis ma maman, je suis pas pimé là pour que je me maman, je à cagner ciseaux. Parce que mon bain a qu'il dans le café. Parce qu'il y a aucun message que non, tant que mon taux est dans le café, je vais vous dans l'esprit. Ma démon va vous l'enlever dans l'âme. Moi, ça dit un petit café aussi, ma maman aussi, ma maman à l'aise. Vous avez un esprit, ma mère aussi, ma maman. Problème, bandit, voilà, tu vois, il va te voir. Alors, l'enseignement qui se trouve à la tout est bagarre à mon papa. Car la mission de soya au Missa, mission à la de ce bâtiment ma baie. Passer à la boum et naïba, aïe, moi c'est un moment qu'un église qui va le couvrir. Car après un message, moko, oh yo teaki, ma camoko est logique, oh isa pour intérêt, yabatou. Mais baruki est demandé. Je m'en vais. Y'a un moment, passer à l'église, ma comment mon couvrant. Zara, l'enseignement pour te comment vous pèse à mon bâtou personnellement. Moi, n'est papa Michel, qui sert, y est, moukama, koutana, tout solo là. C'est bon. Voilà, c'est bon. Mais, vous êtes dans l'église, vous êtes ici, maman. Vous êtes ici. Maman, chaque fois, vous êtes ici. Ah, en tout cas, vous êtes ici. 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 Vous elle m'a dit que ça va être une bonne faute. Mais elle m'a dit que je vais vous faire un appareil. 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 Je vais déjà vous chrétien, un appareil. Saint-Esprit, donc vous voyez, déjà vous faire un appareil. Je vais vous faire un appareil. Donc il y en a beaucoup même. La parole de Dieu même, la parole de Dieu nous dit quoi? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Crainte de Dieu, le bidil. Quand tu dois te mettre déjà que non, la parole de Dieu dit quoi? Je suis une femme, comment est-ce que je dois être? La parole de Dieu dit quoi? Je dois être comment? Tu marches selon la parole de Dieu. Tu n'as même pas besoin parce qu'il y a quoi de solution à une profondeur sur une aînée. Tu dois avoir la justice. Mais au moins, c'est net, pas le on est nous, le mouton, le monde, écoute, à se parler la langue. Mais assis, ça va parler la langue, quatre le langage. Quand le pasteur prêche, je prends ce qui est bien, ce qui ne plaît pas, je rejette. Non, les organisants ne vont pas trier. Tu prends tout. Tu ne peux pas prendre ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas, tu rejettes. Non, les organisants, mais c'est le couteau à double tranchant, donc ça doit te piquer aussi, ça doit te blesser. Et si ça te blesse, ce n'est pas une raison de rejeter. Voilà. Tu dois l'exploiter. Ça m'a blessé. Mais pourquoi ça m'a blessé? Parce que c'est quelque chose de bien. Mais si ça me blesse, ça veut dire que c'est moi, j'ai fait la prudence quelque part. Mais les gens ne prennent pas ça comme ça. C'est pour cela, Moni, que nous avons toujours des problèmes dans notre église. Bon, si on a posé question, il y a ma maman, il y a groupe à ma maman. Mm. Pour ma maman, ma maman, il y a ma maman pasteur. Mm. Pasteur, là, où ça, il y a ça, là. Maman, pas où soit place, il y a une maman pasteur. Il y a un autre moment, il y a une prophétesse, il y a un moment, il y a un sens, il y a une prophétesse, il y a un autre moment, mais on est athée, là. Ma maman n'est pas revenue à l'Ibala et comme il y a une place à maman parce qu'il y a une parole. Non, je place à moi.
éduquer ma maman, enseigner ma maman, même ma copine, ma maman, la même ma copine, éduquer ma na ma jeune fille, na biso bazo ko la bazo ba ko lang ba te lo ko mote. Donc et lo ko wana et ça la raté. Et comment ce qu'on maté ya maté ya maté ya maman bini pe na zéro na kat akeme akeme sanga ba maman. Mais parce que là nous sommes sans rien prêcher ba. Voilà ils ont ça. Mais si quand il parle ya ba maman, est-ce qu'elle suivi wana ko la nda ba maman ni ba te ya ba maman et ça là. Voilà il y a une question là. Oui, mais Merci beaucoup. Je crois que nous avons suffisamment parlé aujourd'hui. Bien que on a commencé notre rencontre par retard, aujourd'hui on a parlé de beaucoup de choses. Je crois que nous avons ici beaucoup de choses ici qui sont très importantes pour notre marche, pour nos couples. Il faut tout retenir, toutes ces choses-là. Et l'important, la Bible dit que Dieu déteste les auditeurs oublieux. C'est-à-dire que vous écoutez, et puis c'est tout, c'est comme une information à la radio, ou je ne sais pas quoi. Et puis c'est fini. Mais Dieu veut voir les gens qui peuvent écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça ce que Dieu veut voir. Et ce que nous avons parlé ici, ce sont des choses très importantes. Beaucoup d'entre nous ici, peut-être que nous avons des difficultés dans nos foyers, dans nos couples. Il y a certaines choses qui ne marchent pas. Mais Jésus-Christ nous a dit quelque chose de très important. Avec Dieu, nous ferons des expériences. Alors, mettons cette parole-là en pratique. Il a encore ajouté, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quoi? Accepte, marche, c'est mon ça. Et tu verras la gloire de Dieu dans ton monde. Parce que Dieu ne peut pas faillir. La parole de Dieu ne faillit jamais. Aujourd'hui, la science a prouvé qu'elle a failli. Aujourd'hui, la politique a prouvé suffisamment de la faillite. Les gens ont utilisé d'autres méthodes, d'autres recherches. Ils ont failli. Mais Dieu n'a jamais failli. Prenez Dieu. Prenez la parole de Dieu. Appliquez cela dans votre vie. Marchez selon cette parole. Les problèmes, c'est ça. Nous avons des ennuis dans nos vies, dans nos couples et dans n'importe quoi. C'est parce que nous avons pris la parole de Dieu, nous l'avons mise de côté. Il y a même ici, nous avons des bibliothèques avec des livres que Louis XIV a écrits. Mais la Bible, nous ne l'avons même pas. Nous la lisons rarement. C'est seulement quand on va à l'église qu'on la lit.
Et on croit qu'avec Jean-Paul Sartre, nous allons trouver des solutions. Ce type-là est mort sans donner la solution. Vous voyez cela? Nous avons eu tous ces grands philosophes qui ont développé, Baba Kambo, et bêlé des choses terribles, des théories bien aimées dans le Seigneur. Mais tous sont partis. Ils nous ont laissés avec des problèmes et des problèmes. Mais je vous dis la vérité, pour votre mariage, appliquez seulement ce que Dieu a dit. Et vous verrez la gloire de Dieu. Beaucoup de choses ont été dites ici. Je souhaite vraiment que vos couples puissent avoir du succès. Que vos couples soient restaurés. Parce que Dieu est celui qui restaure. Je suis certain que le couple de ma fille, c'est là qui fait du bruit, là, c'est ma fille. Hein. Son couple sera restauré. Parce que Dieu restaure toutes choses. Amen. Amen. Son mari sera restauré dans l'amour qu'elle veut voir. Dieu va le restaurer. Alors, qu'est-ce que nous allons dire, bien-aimés? Soyez vraiment des gens bénis, prospères à tous égards. Confiez-vous en Dieu en toutes choses. Ne prenez pas trop les solutions de votre village. Oh, mon grand-père, chez nous, on dit, chez vous, vous avez appliqué tous ces proverbes. Il y a des gens qui vivent trop dans les proverbes. Les proverbes de chez eux. Vous savez, chez nous, on dit que la femme, ces choses-là, bien aimées, on les a appliquées, ça n'a pas marché. Les femmes deviennent de plus en plus têtues. En plus, soin des enfants. Vous voyez ça? Ils ont échoué, c'est la sorcellerie. Vous voyez cela, bien aimé? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, toutes ces choses-là. Ça nous a amené beaucoup de problèmes. Vous voyez? Mon père me disait, moi, vous voyez votre maman là, il ne blague pas avec moi, votre maman. Alors, toi aussi, quand tu vas au mariage, ne blague pas avec les... Écoutez, il y a des hommes qui ne mangent même pas avec les femmes à cause d'une tradition, d'une coutume qui vient de chez lui, de son village, très fort là-bas. C'est grave, hein? Ça a échoué. Vous voulez réussir? Appliquez la parole de Dieu. Amen. Et vous réussirez. Amen. C'est tout bien. C'est ça la clé. Que Dieu soit béni. Amen. Ben, je remercie chacun de vous. Vous êtes placés, vous avez vraiment disposé de votre temps pour passer ces quelques moments ici avec nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Certainement Dieu nous conduira dans un autre sujet. Nous vous mettrons toujours au courant. Mais il y aura des moments de prière qui seront organisés pour tout ça. Nous allons vous avancer. Si vous aurez le temps de venir, vous pourrez toujours vous associer à cette prière. Parce que nous ne voulons plus être des gens qui vont à l'église avec une grosse Bible. Mais derrière là, il n'y a rien. C'est comme mon frère a dit, l'hypocrisie. Nous sommes des hypocrites. Vous voyez? Les gens ne nous croient même plus. Mais nous voulons être de vrais croyants. Amen. Nous avons le souci de marcher avec Dieu. Amen. Et nous y parviendrons. Amen. 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 Bien, nous allons le lever. Amen.